Chers frères et sœurs de la famille Vincentienne du monde entier, comment ne pas rendre grâce à Jésus en cette année 2017, au cours de laquelle nous avons pu célébrer le jubilé des 400 ans de notre charisme vincentien. 400 ans de charité et mission dans le service et l'évangélisation de plus de 1000, et spécialement l'étranger à travers le monde. Ceux qui sont vraiment étrangers étaient dans protagonistes de notre symposium au mois d'octobre dernier à Rome. Ces étrangers de qui nous partageons l'esprit et les difficultés et grâce à qui, aujourd'hui, nous pouvons devenir des imiteurs du Christ. Souvenons-nous que même notre Seigneur était un étranger. La grandeur du mystère de l'incarnation que nous célébrons chaque décembre se manifeste dans la pauvreté de l'enfant né à Bethléem dans une humble crèche. Combien d'enfants, combien d'étrangers et sans abri, attendant un cœur mis par un amour affectif et effectif. L'année du 400e anniversaire tend progressivement vers sa fin. Et nous débuterons bientôt le 5e centenaire du charisme vincentien. Tous les défis que nous rencontrons ne devraient pas nous effrayer, mais plutôt nous encourager à faire davantage confiance à la Providence dans notre service à nos seigneurs et maîtres. Pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les pauvres, la famille Vincentienne mondiale commençait cette année l'Alliance universelle pour les sans-abri. Cherchons les folles villes et les châtillons du monde actuel et répondent au mieux de nos capacités aux cris des pauvres. Le titre de la lettre de l'avant de cette année est tiré de la pensée de Saint Vincent de Paul sur l'Eucharistie, la décrivant comme le don de l'amour de Jésus qui est inventif à l'infini. Cela nous ajoutons sa deuxième pensée que dans l'Eucharistie, nous trouvons tout. Tout l'état de la vie de Jésus. En méditant sur l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, puisse chacun de nous porter aussi dans son cœur l'invitation à continuer de prier, d'être attentif, de chercher, d'encourager et d'inviter un nouveau candidat à la vie consacrée ou à une branche laïque de la famille vincentienne. En ce temps de Noël et de nouvel an 2018,
je voudrais inviter chacun de nous à persévérer et grandir dans notre vocation au service des pauvres. Comme Saint Vincent de Paul, le mystique de la charité, nous l'a enseigné par sa vie.